Suspense, les voleurs de chevaux. Oh, c'est gentil de m'avoir invité, les filles. C'est la toute première fois que je passe la nuit dans une écurie. Tu sais, maintenant que Mia enseigne ici, on peut faire ça autant de fois qu'on veut. Ah, au fait, si vous avez faim, j'ai apporté des soupes en bâtonnet. Sinon, voici la dernière trouvaille de mon père, de l'agneau en canette. Non? Du porc en fourchette? Ça va, merci. Avec tout le germe de blé mariné qu'on a mangé... Joins-toi à nous, Mia. Oui, c'est toi qui nous a invités. Pardon, j'étais captivée par cette histoire terrifiante. Ça parle de voleurs de chevaux. Oh, fascinant. Comment on réagirait si on en voyait pour de vrai? Je ferai une corde pour les ligoter. J'attaque. Fiona. Je briserai leur élan d'une remarque cinglante. Moi, j'attaque. J'appuierai sur un point d'acupression pour les immobiliser. Bonne idée. Et après ça, à l'attaque. C'était quoi? C'est peut-être un cheval ou un employé. Non, les chevaux sont dans leur stall et il n'y a pas d'employé le soir. Les voleurs de chevaux. Ils se dirigent vers la porte. L'autre porte. J'ai l'impression qu'ils ne sont que deux. Finalement, attaquer, c'est peut-être une mauvaise idée. Clairement, ils sont peut-être grands ou forts. Mais les chevaux doivent être protégés. Ils ont dû renoncer. Oui, mais pas pour longtemps. On garde une clé à l'extérieur. Qui garde une clé dehors? L'écurie. Les verrous servent à enfermer les chevaux. J'ai une idée. Il faudra faire vite. N'oublie pas, Dolly! Mon pantalon de golf fluorescent vous a réveillé? On voulait vous faire une surprise en vous laissant un délicieux petit déjeuner près des stalles. Mais on dirait bien que la surprise est pour nous. Voilà ce que je vais attaquer.